Gloire à Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur dit bénisout. Encore une fois, pour dire à tout un chacun un grand bonjour, bienvenue et pour saluer zout dans le bon nom et de notre Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur dit bénisout et un grand bonjour à tous ceux qui viennent joindre nous depuis 9 heures et tous ceux qui peuvent rejoindre nous encore à 7 heures. Et nous rappelons aux autres qui nous culte d'adoration d'y maintenir. Et là, après un moment de prière et d'adoration, nous poilons vers la parole de Dieu. Ce qui nous contente, la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur les bénit autres, et mon Dieu et les bénit sous parole. Amen. Amen. Voilà. Nous lèvons la main, nous dire Alléluia. Gloire à Dieu. On peut inviter les autres frères et sœurs pour l'ouvrir de la Bible et dans l'épître de Paul ou Éphésiens, nous pouvons lire le chapitre 6 et le verset 11. Épître de Paul ou Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11. Je vais vous lire le verset 11, le verset 13 et le verset 15. Au reste, et le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Vous pourrez lire le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On peut lire aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 8 et 9, 1 Pierre chapitre 5, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Gloire à Dieu. Laisse nous prier le Seigneur pour sa parole. Père, nous bénis-toi pour ta parole dans le nom de Jésus. Remercie-toi qui, chaque jour, te donne-nous notre pain quotidien, une révélation fraîche, une instruction, une parole d'aujourd'hui pour qu'il nous capable encore servir dans nous l'équerre et nous avancer dans nous la marche avec toi. Instruire et prêche à ton église ce matin. Là, comment nous dispose de l'équerre. Pareil, comment la parole finit dire, parle Seigneur, nous, tous mes enfants, nous peut écouter. Cette parole est certaine, cette parole est une parole d'aujourd'hui, cette parole est fraîche, cette parole est bénie, cette parole est relève-nous encore par la puissance de ton esprit. Nous couvrir ce moment de la prédication par le sang de Jésus. Nous remercions-toi pour tout ce qui t'a accompli au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et ensemble, nous sommes capables de dire Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce matin et le titre de mon message, c'est « Le bouclier de la foi ». Vous êtes capable d'y aller ensemble avec moi. « Le bouclier de la foi ». Amen. « Le bouclier de la foi ». Merci Seigneur pour m'introduire et le message ce matin. Est-ce qu'on commence pour dire quelques points sur la foi ? Amen. La foi, c'est un sujet qui est bien vaste. Quand nous regardons la foi, frères et sœurs, quand nous retournons dans l'original grec de ce mot foi, amen, le mot foi en grec veut dire
pistis, P-I-S-T-I-S, qui veut dire un firm belief, une croyance ferme. Alléluia. La foi n'est pas seulement une croyance qui nous est là, mais une croyance qui ferme. Et sa fermeté de nos croyances, lit dans mon Dieu et lit dans sa parole. Amen. Alors, la foi démontre-nous que c'est une ferme et croyance qui nous est là dans mon Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous regarde et la définition que la Bible pour nous sur la foi, peut-être nous connaît ou bien nous capables de noter la référence, Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible nous comprend que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère être démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi, pistis, le mot grec, veut dire une croyance ferme qui nous est là dans mon Dieu. Et ce matin, c'est ce que mon Dieu lui demande nous dans ce temps qu'il nous peut vivre. Une ferme assurance, une croyance ferme dans mon Dieu, qui le Seigneur sait qu'il nous dit, pas seulement et lit pour faire lit, mais lit pour capable encore éclate sur la gloire dont nous la vie. Frères et sœurs, quand on regarde la vie de Jésus, quand Jésus litulant la terre pendant sa mission, la Bible montre-nous que Jésus t'y rencontrait beaucoup de personnes, mais et t'y a quelque chose qui t'y émerveille Jésus. Parmi les personnes qui t'y soignent, qui t'y rencontrait. Au service, le mot que la Bible servit, c'est une chose qui t'y est tenue, c'était la foi de ces personnes. Amen. C'était la foi de ces bonnes personnes-là. Certaines personnes, une diazote comme cela, oh, et tu la foi, il guérit toi. L'autre, il dit, tu la foi, il sauve toi. Une madame, il dit, femme, ta foi est grande. Et l'autre personne, il dit, mon parfum, même trouve une aussi grande foi. C'est qui t'y émerveille Jésus pendant ce parcours de mission sur la terre? Ce sont ceux qui t'y manifestaient la foi pour et je guérison, pour recevoir un miracle. Pour montrer aux autres frères et sœurs que la foi, c'est un élément indispensable de la vie chrétienne. Même la Bible dit à nous que sans la foi, il est impossible pour nous plaire à Dieu. Il est impossible pour nous plaire à bon Dieu. Sans la foi, à cause même qui et nous besoin vine dans sa domaine de la foi pour qu'il nous capable rencontrer ben besoin de nous la vie. Le mot pistis, c'est une ferme croyance qui nous est dans mon Dieu. Alléluia. La foi, lui plaît, bon Dieu, frères et sœurs. Et on nous fait lire ce matin l'épître de Paul au Éphésiens, dans le chapitre 6, à partir du verset que nous finissons, le verset 11, le verset 13 et le verset 16, et dans ce même verset-là, à partir du verset 10, et l'apôtre Paul, ici, l'hypécose, l'aura, les âmes de Dieu. Amen. Alléluia. L'hypécose, l'aura, les âmes spirituelles du chrétien. Les dire ici, revêtons-nous de toutes les âmes de Dieu pour nous capables de tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Les dire, et prend tous les hommes de Dieu, le verset 13, pour nous capables de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir qu'il nous tout surmonté. Mon frère, ma sœur, c'est vrai, il n'y a pas quelque chose de secret pour personne. Nous pouvons vivre dans un jour mauvais. Et la Bible dit nous pour nous capables de résister le mauvais jour, pour nous capables de tenir ferme dans le mauvais jour. L'important, pour nous capables de revêtir de bonnes âmes de Dieu. Il est important qu'il nous prenne bonnes âmes. Alléluia. Amen. Pour nous capables de tenir ferme contre les ruses du diable et aussi dans les mauvais jours. La terre péconne, les jours mauvais, les jours difficiles. Et l'enfant de Dieu est appelé pour revêtir lui de bonnes âmes. Et ici, l'apôtre Paul, il mentionne plusieurs bonnes âmes qui le chrétien, l'enfant de Dieu, il a besoin de porter. Et parmi les hommes qu'il y mentionnait, le verset 16, il y mentionne ce qu'il m'appelle le bouclier de la foi. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. C'est ce qui me les parle avec vous ce matin par la grâce de Dieu. L'aura, le bouclier de la foi. Et me vraiment croire de tout mon cœur que l'est bien approprié pour le temps qui nous peut vivre. Merci Seigneur, ce nom l'est glorifié. Amen. Qui ferme le besoin et prend le bouclier de la foi pour éteindre tout mon très enflammé du malin. Je suis un certain qui sont avec moi dans sa prédication-là et je peux suivre vraiment attentivement et avec votre cœur. Et je peux écouter et de tout je te l'écoute. Amen. Laisse-nous regarder et pour continuer le bouclier. Amen. Quand nous regardons à l'époque de l'apôtre Paul, le soldat romain, à l'époque, parmi tous les hommes qui t'y trouvaient, le soldat romain tenait ce qu'il appelle aussi le bouclier. Le bouclier est quelque chose qui t'y servit comme protection pour le soldat. L'iti assez large, l'iti long, l'iti, comment dire, un lapin qui t'y devant lui, et c'est un bouclier qui t'y protège lui contre ma flèche qui l'ennemi t'y envoyait quand je t'y paie la guerre. Alors, ça bouclier là, l'iti par devant, et quand l'ennemi envoie ma flèche, ça bouclier là, l'iti servit comme protection pour le soldat. Parmi les autres, et t'y a les autres. Et les autres armes qui les tiennent le casque du salut, les tiennent et la ceinture, les tiennent l'épée, mais aussi et le soldat romain, les tiennent le bouclier de la foi, les tiennent le bouclier, pardon. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, rappelle bien, nous aussi, frères et sœurs, nous sommes soldats de Jésus-Christ, c'est vrai, habite pour nous cela, amen. Nous aussi, nous sommes champ de bataille, mon frère, ma sœur. Et la Bible fait nous comprendre ce matin que et le bouclier nous a servi comme protection. Ça veut dire, et nous arrivons à comprendre que le bouclier de la foi qui habite en nous, et c'est une protection pour nous la vie spirituelle. Le bouclier de la foi, c'est une protection pour nous la vie spirituelle. En d'autres mots, pour me résumer, la foi lui-même, c'est une protection. Amen. Alléluia. La foi lui-même, c'est une protection. Amen. Contre et bonne flèche que l'ennemi lui peut envoyer. Quand nous guettons l'humanité et l'homme, il y a besoin pour la protection aujourd'hui. Amen. Avec tout ce qu'il nous peut entendre aujourd'hui avec et sa combat qui peut frapper la terre. L'homme, il a besoin pour protéger. C'est vrai, avec le COVID-19, tout ça va mesure qui peut être donnée pour protéger une personne. Nous n'avons pas trop ça et nous pouvons mettre en pratique. Et l'homme, il a besoin pour les protéger lui-même. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, laisse-nous comprendre quelque chose. Qui, la Bible fait nous comprendre que sa zone qu'appelle le bouclier de la foi, il y a une protection contre et les traits enflammés du malin. Alléluia. Il protège nous contre la flèche que l'ennemi lui a envoyée. Maintenant, pour nous comprendre comment la foi les protège nous, nous avons besoin de comprendre, il y a des petites choses. Nous avons besoin de comprendre qu'il haine Satan l'ila pour y attaquer. Et deuxième, et nous avons besoin de connaître bien qui se bat l'attaque, qui se bat la flèche. Et qu'il lui a envoyé lors de la vie. Le diable se but, c'est fait nous la guerre. Comment nous finir dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 et 9. Il dit, nous soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, libéré comme un lion rugissant, cherchant ce qu'il dévorera. Amen. Libéré le diable, libéré qu'il s'en a. Amen. S'il ouvre la porte et s'il nous lit accès, il pour rentrer, comme ça même la Bible de nous, pas donne accès à l'ennemi. S'il nous donne accès, il pour rentrer. S'il nous donne accès dans nos foyers, il pour rentrer, il pour détruire. S'il nous donne accès dans nos âmes spirituelles, il pour rentrer, il pour détruire. S'il nous donne accès dans nos pensées, il pour rentrer et il pour détruire. À cause ça même la Bible de nous, votre adversaire, le diable, il peut rôder comme un lion rugissant. Mais la Bible de nous, résistez-lui avec une foi ferme. Je vous rappelle le mot pistis, sa croyance ferme.
And la foi ferme veut dire une firm belief, une ferme croyance, une ferme assurance qui nous est là. La Bible dit nous résister lui avec une foi ferme. Amen. Le diable, il peut rôder, mais résister le diable. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce verset aujourd'hui est très approprié pour nous quand nous guettons les mêmes souffrances qui peuvent être imposées à nos frères et sœurs dans le monde entier. Livré aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire et les souffrances qui nous péconnent dans nos pays, les autres aussi péconnent pareil, mon frère, ma sœur. Parfois, nous trouvons une personne qui fuit d'un pays, parle de l'autre pays, amène à cause d'une souffrance ici, du refouille. Mais aujourd'hui, quand nous guettons la terre est péconne même souffrance. Parfois, et il y a d'un pays, il y a la sécheresse, dans l'autre pays, il y a une inondation. Dans le pays, parfois, il y a un tremblement de terre, dans le pays, dans la famine. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire les mêmes souffrances. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est pour cela, aujourd'hui, et nous l'appelons aujourd'hui pour nous capables de résister et connaître que le diable, il y en a sur une flèche. Maintenant, quand nous guettons une flèche qui le diable lui a envoyé. Amen. Il dit ici, nous l'y a dit, et prend le bouclier de la foi avec laquelle nous sommes capables d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Satan, il y en a sur ma flèche. La traduction anglaise pour dire man fiery darts. Amen. Sur ma flèche. Amen. Qu'il y a envoyé. Sur ma et l'attaque qu'il y a envoyé, l'on nous l'a mis. Man, quelque chose qui nous fait nous rentrer là-dedans. C'est pour cela aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il a foi, il y a une protection. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Laisse-nous guider un petit peu maintenant et moi pour citer quelques et flèches, quelques l'attaque, quelques traits enflammés du malin. Amen. Et nous prenons l'occasion ensemble, regarde ben, l'exemple et dans la parole de Dieu. Alléluia. Ben, premier flèche que le diable peut envoyer, quand nous guettons l'état aujourd'hui, c'est la peur. Ah, Satan il peut envoyer sa traits enflammés. Qu'appelle la peur, il peut sait et sème la peur dans toute la vie par rapport à ta carrière, par rapport à ton foyer, par rapport à ton projet, par rapport peut-être à ta famille, peut-être à ton entreprise, à l'économie. Amen. La peur, on a le doute, un très enflammé du malin, le doute, il faut un doute. Et de la grandeur de Dieu, est-ce que mon Dieu est encore content dans ce monde-là? Amen. Aujourd'hui, et ben très enflammé qui le diable peut envoyer, c'est l'inquiétude. Amen. C'est le découragement, c'est le désespoir, la maladie. On ne peut pas dire le diable lui peut envoyer ce qu'on appelle l'impatience dans toute la vie. Peut-être tu as un projet et les papiers aboutir comme un besoin avec ma situation qui est dans le monde. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, prends le bouclier de la foi. Amen. Alléluia. Et soulève-nous la main, nous dire alléluia. Prends le bouclier de la foi pour nous capables d'éteindre la peur, le doute, le découragement, l'inquiétude, la maladie. Parfois, il envoie une mauvaise pensée juste pour faire toi et détourner de la vérité, juste pour faire détourner du droit chemin. Mais aujourd'hui, reconnaître ces mains très enflammées du malin qui te besoin renonce sans autre et prends le bouclier de la foi et éteindre tout ces mains très enflammées là. Parfois, il y a une calomnie qui lui envoie à l'autre la vie. Amen. Alléluia. Un dimoun parle mal de toi. Et parfois, un dimoun parle mal de toi. Tu es affecté. Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de venir à l'église. Tu arrêtes de consacrer. Amen. Alléluia. Beaucoup de dimoun est au sujet de ma calomnie aujourd'hui. Un dimoun parle mal de toi. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es là. Amen. Tu peux entendre la parole de Dieu. Tu es là le bouclier de la foi. Tu es là sa protection qui la foi de toi. Alléluia. Tu es capable d'éteindre ma calomnie, éteindre ma mauvaise nouvelle, éteindre l'inquiétude, ma délai dans toute la vie, la dépression. Alléluia. Qui ramène toi en bas. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, dire, bon, mais prends le bouclier de la foi pour éteindre toute ma flèche dans le nom puissant de Jésus. Laisse-le, nous l'aimer, nous crier alléluia. Amen. Frères et sœurs, amen. Amen. Quand nous regardons cet homme qui appelle Jaïrus,
Mais il y a eu comme cela, les petits chefs de la synagogue, ils rencontraient Jésus pour dire Jésus, tu connais, mon petit fils, il est malade. Et là, Jésus, il y comme cela, mais nous allons prier pour lui. Là, pendant qu'ils ont pu aller en chemin, nous connaissons l'histoire dans l'évangile. Amen. Et du monde finit de venir, je te rends compte maintenant, pour dire avec Jairus, je viens pour dire Jairus, tu connais, ton petit fils, mon, pas importune le maître. Et tu fais, tu es malade. Maintenant, il mort. Pas besoin de fatiguer Jésus. Retourne Jésus. Renvoie Jésus. Parce qu'il fait, Jésus a un agenda très chargé. Tu fais, tu es malade. Oui, Jésus est venu. Maintenant, il mort. Qui fait, tu importunes le maître. La Bible dit nous comme cela, quand nous pouvons lire dans l'évangile, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, alléluia, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Jésus dit avec le chef de la synagogue, Jésus dit avec Jairus, amen, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Quand maintenant vini, pour venir voir sa flèche là, tu t'y fais, tu es malade, maintenant il mort. Mais dire, pénachimé pour lui. La Bible dit comme cela, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Ah, mon content, sa phrase là. C'est comme si Jésus lui ferme ses oreilles aux paroles de ces gens. Amen. Parfois, mon frère, ma soeur, dans la vie avec Jésus, il y a des fois, on me dit bien, alléluia, des fois, le besoin ferme nos oreilles à ma parole qui s'amonde là, peut dire. Sinon, ne pouvons être parés comme un autre. Sinon, ne vous suivez au train. La Bible nous, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, lit, il prend le bouclier de la foi, comme s'il éteint sa flèche qui m'en a dit, et te tifine, mot, qui fait te plaindre pour tu le mettre, les dire avec Jairus, ne crains point. Crois seulement. Alléluia. Amen. Amen. L'éteindre sa flèche, l'ennemi là. L'éteindre aujourd'hui. Pour pas connaître qui te situation. Peut-être que situation est capable à une étape malade. Maintenant, il vient dans l'étape plus difficile. Mot. Mais mon frère, ma soeur, ne crains pas. Crois seulement le Seigneur Jésus. Il peut faire miracle dans toute la vie. Lève la main, nous dire alléluia. Amen. Alléluia. Par contre, quand on nous regarde de l'autre côté, et cet homme est disciple de Jésus qui appelle Pierre, comme l'histoire vient, Jésus marche sur les eaux, et là Pierre dit, si c'est toi, ordonne, et qui marche immobile vers toi. Et là Jésus fait avec Pierre, viens, et là Pierre fait marche sur de l'eau. Et la Bible nous voyant, arrivé un moment, voyant que le vent était fort, il eut peur. Ah, c'est ça, ma flèche de l'ennemi aujourd'hui. Parfois, quand on peut faire ma petite chose dans la vie, parfois, quand on peut faire ma petite chose qui est bien, on ne peut pas dire, il y a un miracle qui peut opérer dans nous la vie. Parfois, il y a un prodige, le Seigneur il peut bénir nous. Et il y a un exploit qui nous peut faire. Nous peut marcher sur des lots, nous ne peut pas dire comme Pierre, le diable, essayons de voir une flèche. Ah, une flèche de la calomnie. Une personne parle mal de toi, qui te veut. Et on voit ici, le vent finit de souffler. Et Pierre finit de guimper. Et l'île commence. Tiens, son regard, l'eau, Jésus regarde de l'eau. Et l'âme de nous, l'île commence à s'enfoncer. Aujourd'hui, peut-être, tu peux briller dans sa monde-là. Mais le diable, il peut en voir. Il peut rôder comme un lion rugissant. Et qui connaît, il peut en voir. Il sera très enflammé. Il peut en voir. Ça va une flèche aiguë-là. Pour capable détourne-toi, pour capable fais-toi et dévier de te dessiner. Mais mon frère, ma soeur, tenez ferme ce matin. Pas faire comme Pierre. Qu'est-ce que Jésus dit à lui? Jésus dit à lui. Aussitôt Jésus étendit la main, il saisit lui. Qu'est-ce que Jésus dit à lui? La Bible nous comme cela, nous lire. Le vent fit souffler, le vent était fort, il eut peur. Mais qu'est-ce que Jésus dit à lui? Jésus dit à lui, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Amen. Dire Jésus, il comprend que et cet homme, il doute grandir, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, sa bon Dieu qui me sortit toi dans un bon moment, c'est sa bon Dieu la même qui me sortit toi dans un moment difficile. Alléluia. Sa bon Dieu qui me sortit nous quand tout est bien, c'est sa même bon Dieu qui me sortit nous quand le monde va mal. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, relève-toi la foi. Regarde à Jésus. Prends le bouclier de la foi. La foi, ça même nous protection contre ma très enflammée du malin. Nous connaissons l'histoire.
de sa tempête qui levait l'eau la mer. Ah, ma disciple, et Zophine commence, et Gabère, alléluia, et Jésus t'y est dormi dans le bateau. La Bible dit comme cela, Zophine allait, écoute bien, Zophine allait dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ah, on mentionne ça avec Zophine tout à l'heure là, sa flèche qu'appelle l'inquiétude, c'est ça qui peut ronger la terre aujourd'hui. Est-ce qu'il ne t'a pas inquiété qu'il nous peut périr, Jésus? Habite-nous comme cela, Jésus, il menace le vent. Amen. Le bouclier de la foi, alléluia. L'autorité, il menace le vent et il commande la mer pour être tranquille. Silence, tais-toi. Et tu n'as un grand calme. Et qu'est-ce que Jésus dit aux autres? Pareil que Malzia avec Pierre. Qu'il dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Malzia? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Qui fait votre guerre et qui fait votre pénal la foi. Mais dire, frères et sœurs, même pour sa tempête-là et même pour Pierre, pour marcher dans de l'eau, sur de l'eau, amen, c'était un manque de foi. C'était même très enflammé du malin qui finait d'envoyer sa même personne-là et qu'ils utilisaient pour le bouclier de la foi pour éteindre sa même très enflammé du malin. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur, il parle avec nous, le bouclier de la foi. Est-ce que vous êtes capable de l'amener, nous dire alléluia? Amen. Maintenant, pour continuer et pour terminer, il y a trois quelque chose qui me parle avec Zout, frères et sœurs, qui est très important concernant le bouclier de la foi. On peut pas dire, et ce qui pourra ça bouclier la foi, ce qui pourra nous la foi efficace, ce qui pourra ni ferme encore et ce qui pourra mener pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Bon, pour cause avec Dieu, il y a trois choses qui sont très importantes. Et moi, c'est important, je prends note et il est très important. Et ces trois choses-là. Quand nous retournons dans et le soldat romain, quand nous retournons à l'époque de la Bible, et nous pouvons arriver à comprendre que sa bouclier-là, il était fait avec le bois. Il était recouvert avec la peau des animaux. Très souvent, c'était et le cuir, amen, on va le dire, la peau, amen, des animaux. Et là, qui est arrivé, et pour garder sa bouclier-là, en forme qu'il y a besoin, tous les jours, mon soldat, je tenais un laiton qui se met à part pour capable maintenir et la condition de sa bouclier là. Tous les jours, je vais faire ça. Pour garder ce bouclier est en bon état et en bonne condition. Alors, qu'est-ce que je fais? Chaque matin, chaque soldat, je te lève et je prends ce bouclier et je aussi prends un peu de l'huile. Nous dire l'huile. J'y prends un peu de l'huile puisque et le bouclier est recouvert avec le cuir, avec la peau. Alors, je t'y prends de l'huile et qu'est-ce que tu fais chaque matin? Je t'y prends un chiffon, je t'y plonge dans ça de l'huile-là et je t'y frotte. Vous savez le mot rub? Je t'y frotte l'eau, sa bouclier-là, afin qu'il n'y ait pas dur. Il ne faut pas les t'y dur. Tu as besoin de quelque chose qui t'y flexible, qui t'y pliable et qui t'y molle, soft. On n'est pas les tidures. Alors, je t'y rub, je t'y frotte et l'huile, l'or, sa bouclier. Tous les jours, je t'y faisais faire ça pour garder sa bouclier là. Et comme ça, quand je suis dans la guerre, sa bouclier là n'est pas dur, mais il est soft. Alors, je t'y frotte de l'huile, l'eau là. Mon frère, ma soeur, quand nous parlons l'huile, l'huile, il symbolise le Saint-Esprit. Laisse nous dire le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui nous regarde ensemble? Après qu'il nous vienne comprendre, nous commençons avec la foi, nous vini même, merci Seigneur. Et là, nous pourrons regarder ensemble comment nous pourrons et sa bouclier la faux, efficace, et pour que nous capables d'éteindre tous les traits enflammés du malin. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous la foi, alléluia, mon capable d'y aller comme cela, les besoins aina cette onction du Saint-Esprit qui rub
qui frottait l'eau là. Alléluia. Merci Seigneur. Nous capables de dire nous, nous besoin un fresh touch du Saint-Esprit, l'eau nous la vie, pour garder nous la foi, pour n'est pas venir dur, pour nous la foi, n'est pas venir et dur, non, mais qu'il est capable, venir et comme un bon Dieu l'est. Nous besoin sa l'huile, amen, sa l'onction là, nous besoin sa, sa Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans nous la vie. Si et nous refuse le Saint-Esprit dans nous la vie, nous pour trouver la foi dure. Il y a une connexion entre la foi et le Saint-Esprit. On ne peut pas lire ce verset dans le livre de Jude, il y a un seul chapitre, le verset 20. La Bible dit à nous comme cela, Jude et le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire avec Jude, verset 20, un seul chapitre. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors, une façon pour nous capables et édifier nous-mêmes, l'aurons-nous la foi, c'est prier par le Saint-Esprit, nous dire amen, alléluia, amen. Alors, ben là, tu frottes l'huile, lors sa bouclier là, et pour garder sa bouclier là, efficace pour la bataille. Mon frère, ma soeur, nous besoin sa toucher du Saint-Esprit. Nous besoin sa frottement avec la puissance d'en haut. Nous besoin sa l'huile d'en haut, du ciel, sa l'onction du Saint-Esprit là. Tous les jours, l'on nous la vie. Amen. On rend grâce à Dieu. On donne gloire à Dieu. On dire ça pour ma croyant de Vacoa. Puisque je vous rappelle cela. Dans le mois de février, mais dire le mois dernier, le Seigneur t'y conduit à nous et nous t'y met l'emphase, donc à pas dire presque un mois sur le baptême du Saint-Esprit. Je suis certain que je te rappelle ça. Donc tu commençais avec le premier dimanche, le 7 février. Nous t'y avons une réunion sur le baptême du Saint-Esprit. Nous t'y priais pour beaucoup d'immunes recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et t'y et plus que 40 d'immunes, gloire à Dieu, que tu recevoir le miracle du pont l'Irlande. Et puis, la semaine ensuite, nous t'y causons encore le ban bienfait. Et la semaine ensuite, nous t'y causons encore le ban bienfait et du parler en langue. Et nous t'y encourage l'église pour capable parler en langue, pour capable édifier, mais bâtir de la foi. Et pour capable dire, le tout mot lesquels aujourd'hui m'arrive comprend. Gloire à Dieu. C'était une préparation. Peut-être nous pas t'y connaître si pas nous pourrons en confinement en mars. Et cette fois-ci, nous rentre un petit peu plus tôt en mars. Le Patikoné, mais quelque part, Dieu, il prépare nous avec le baptême du Saint-Esprit. Dieu prépare nous avec le miracle du parler en langue, afin que nous capables de nous-mêmes fortifier, édifier, amen, par le Saint-Esprit, donne-nous la vie spirituelle. Et ceux qui nous recevront le parler en langue, au sur et certain que je peux prier en langue. Et dans le confinement, je peux prier en langue, je peux passer les temps, des heures, parle en langue, parle à Dieu, dis à ma mystère. Frères et sœurs, quand mon regard cela me dit gloire à Dieu, qui n'arrivait, le Seigneur, il prépare nous. Le Seigneur, il prépare nous spirituellement. Le Seigneur, il prépare nous l'homme intérieur. Le Seigneur, il prépare nous la vie pour qu'il nous capable faire face à combat que le monde peut faire face. C'est pour cela aujourd'hui, je dis, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il y a une connexion entre le Saint-Esprit et la foi. C'est pour cela, et dans cet affrontement-là, parle en langue, reste connecté avec le Saint-Esprit. Si nous appelons nous-mêmes pentecôtistes, c'est nous croire dans la Pentecôte. Et si nous croire dans la Pentecôte, nous croire dans le Saint-Esprit. Et si nous croire dans le Saint-Esprit, nous aussi croire dans le baptême du Saint-Esprit. L'évidence est du parler en langue. Ce matin, mon frère, ma sœur, recevoir cette onction, recevoir sa l'huile du Saint-Esprit dans la vie. Laisse mon Dieu remplir toi. Alléluia. Amen. Alors, qui s'amène seul dans la tifère? Tous les jours, je t'y prends l'huile, je t'y frotte l'eau, sa bouclier là. Je t'y garde ce bouclier à jour, préparé pour le combat. Parle en langue tous les jours. Reste connecté avec le Saint-Esprit. Quand tu parles en langue, tu
te pour édifier de la foi, te pour bâtir, te pour build de la foi. Alléluia. Te pour fortifier dans de la foi. Te pour comme Abraham. Alléluia. Te pour comme l'apôtre Paul qui dit, pour rendre grâce à Dieu qui me parle en langue, plus qu'ils ont tout. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de toucher du Saint-Esprit dans nous la vie. Deuxième petite chose qui va l'antifaire, le soldat romain avec sa bouclier là. Deuxième petite chose qu'ils ont fait pour garder le bouclier. Alors, qu'ils ont fait? Je t'y prends le bouclier, je t'y plonge dans des loups. Nous disons des loups. Je t'y prends le bouclier parce que les t'y faire avec la peau des animaux, je t'y plonge dans des loups. Qui fait? Je t'y fais ça. Parce que quand je tiens la guerre, des fois, qui l'ennemi fait, avec mon fin lié là, dans Ephésiens chapitre 6, l'ennemi qui t'y fait, très souvent, quand l'ennemi envoie une flèche, il pas seulement envoie une flèche comme celui-là, mais il y a l'hymne diffé lors de sa flèche-là. À cause ça, même la Bible de nous, les traits enflammés du malin. Certains ont dit, une flèche qu'il peut envoyer, c'est pas une flèche et qui sec, c'est une flèche enflammée pour enflammer nous, pour faire nous tomber dans le péché. Et c'est ce qui va nous faire. Je t'envoie une flèche qui tiendra le feu là-dedans. Alors, qu'est arrivé quand ça, une flèche-là, tape avec sa bouclier qui s'est plongé dans des loups. Rappelle bien, il mouillait bouclier là. Et bien là, il n'y sa bouclier là. Quand flèche là tapé, le capable de dire moi le mot, qu'est-ce qui arrivé? Et sa flèche là, il s'est tombé et il dit éteint. Amen. Alléluia. Il dit éteint. Alors ce matin, est-ce que tu comprends un autre qui te sort ce matin pour rendre le bouclier de la foi efficace, pour rendre et nous la foi ferme, solide aujourd'hui, quand nous guettons l'eau qui est représentée, l'eau qui parle nous de la parole de Dieu. On ne peut pas le dire dans l'épître de Jean, et dans l'épître de Jean, peut-être vous l'y avec Zot, et le chapitre et 5, l'épître de nous comme cela, il y a trois qui rendent témoignage, le verset 7, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. L'esprit, et pour nous du Saint-Esprit, le sang, c'est le sang de Jésus, mais l'eau qui est représentée, l'eau, les parle de la parole de Dieu. Alors l'esprit, le sang et l'eau lient tous les trois d'accord. L'esprit, le sang et l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes sur la croix, Jésus, amen, et fidèle fait chair, amen. Amen, alléluia. La parole finit de faire chair l'eau. Jésus finit vers ce disant et Jésus finira l'esprit. Tous les trois sont d'accord. Et l'eau, lui symbolise la parole de Dieu. Veut dire, frères et sœurs, si mon soldat, je t'y dip, je t'y plonge, je t'y shield, je t'y bouclier dans l'eau, afin qu'il s'en va une flèche qui t'y vient là, et je t'y éteins. Aujourd'hui, comprends bien. Pas qu'à pas cause la foi, ce n'est pas cause la parole de Dieu. Alléluia. Nous bisons plonge nous la vie dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas un auditeur oublieux. Habitez-nous comme cela dans l'épître de Jacques. Ceux qui finent plonge dans la loi parfaite. Nous bisons dit, nous besoin et plonge nous dans la parole de Dieu. Et une connexion entre la foi et la parole. Entre la parole et la foi. La Bible dit à nous, nous colle le verset. Et la foi divine de ce qui nous tendait. Et de ce qui nous tendait, n'est pas vine. Et de telle radio, de telle information. Mais la foi divine de la parole de Dieu. Dis ensemble avec moi. La foi divine de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu nous besoin, plonge, nous bouclier. Alléluia. Pour nous ramener efficaces et pour y éteindre. Et les traits enflammés du malin, le besoin plonge-li, amen, dans et la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia. Le besoin est dans la parole, dans nous la vie. Le besoin, bon Dieu, sous parole, mon frère, ma soeur, c'est ça qui pourra nous la foi ferme, c'est ça qui pourra nous la foi faux. Nous besoin la lecture de la parole de Dieu. Nous besoin la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous, la foi, les liés directement à la connaissance et à la compréhension de la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Les lier directement. Amen. S'ils ont dit la peur, les bévines lors de la vie, tu es là. Et la parole te connaît de vous dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Amen. Et si aujourd'hui l'inquiétude libérale frappe toi, si ça très enflammé de l'inquiétude libérale frappe toi, de vous dire ce matin que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour moi. Alléluia. Tu es dans la parole de Dieu en toi. Nous ne pouvons pas sortir de là. Alléluia. On rappelle, il y a des années de cela, et c'est un message que Dieu te donne moi un 1er janvier d'une année, assez longtemps. Et je ne peux pas dire aujourd'hui cette parole, et je ne peux pas trouver encore et encore. Seigneur, tu montres moi qui, d'après ce verset, qui Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, tu parles avec moi pour dire moi qu'il arrive un moment dans la vie quand nous pouvons vivre avec parole, mon Dieu. Nous pouvons vivre juste avec parole, mon Dieu. Tellement la terre pouvait être difficile, tellement les choses pouvaient être pénibles, mon frère, ma soeur, qui nous pouvons vivre avec parole. Nous pouvons nous la Bible, nous pouvons verrer, nous pouvons dire qui bon Dieu dit là-dedans. Amen. Nous pouvons vivre avec sa parole-là. Et sa parole-là peut sortir nous. Ce qui peut sortir nous dans un problème de COVID. Ce n'est pas les nouvelles de la terre, c'est parole, mon Dieu. Amen. Nous bisons la parole. Ben, ça va du soldat, je te plonge, te bouclier dans de l'eau. Nous bisons, plonge ça, la foi là-dedans. Parole, mon Dieu. Rappelle Jésus. Amen. Quand le diète est tenté par le diable, quand l'histoire vient, à lire dans l'évangile, chapitre 4, nous ne pouvons pas lire l'évangile de Luc. Le diable amène-lui, tente-lui, Satan envoie une flèche. Satan envoyait une deuxième flèche. Satan envoyait une troisième flèche. Ah, à trois reprises, Jésus finit de tenter. Mais nous connaissons bien, Jésus, son bouclier, tu plongeais dans des lots. Jésus, tu lis l'Ancien Testament, quoique toute la Bible à l'époque, pas tant quoi est écrit. Mais Jésus tient là l'Ancien Testament. Jésus tient là les paroles de Deutéronome. Jésus tient là les paroles d'Ésaïe. Jésus l'est, son bouclier de la foi, qu'il plongeait dans la parole de Dieu et il éteint tout sa bonne flèche du diable. Alléluia. Il n'est pas fin cause avec lui, l'autre telle affaire, il n'est pas fin de raconter telles histoires. Mon frère, ma soeur, c'est la petite chose qui Satan y perd, c'est la parole de Dieu en toi. Amen. C'est la petite chose qui le diable y perd, c'est quand ton bouclier est plongé dans la parole de Dieu. La foi, il y a une protection. C'est pour cela aujourd'hui, lève le bouclier de la foi. Lève le bouclier de la foi avec les promesses de la parole de Dieu et confessez dans le nom de Jésus que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur Jésus, il est avec le diable. Et quand nous regardons l'histoire, la Bible montre nous que Satan finit quitter. Le diable finit quitter. Est-ce qu'ils sont toujours avec moi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous trouvez toujours là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et une troisième petite chose qui est merveilleuse, qui va un soldat y faire. Ah, on comprend N, on comprend D, et nous perdons le troisième et nous pouvons terminer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et des fois, quand je dis la guerre, tu arrives à un moment parfois quand je tiens là pour et aussi attaquer la ville, ben flèche pas divine seulement. Et en versout. Mais ma flèche divine depuis là-haut. Depuis là-haut. Ma flèche divine depuis là-haut. Alors, comment faire maintenant, puisque le bouclier tu protège là, et ma flèche divine là-haut, c'est ce qui nous peut arriver à comprendre. Elle arrive dans ce moment-là, quand ma flèche divine depuis là-haut, qui arrive, tout ce soldat-là, qui veut faire, et je vins ensemble. Alléluia. Je costé et je forme un carré. Nous appelons ça un mot qui appelle ça un testudo. Appelle ça un tortoise formation. Il paraît quand nous guettons un tortue sur la haut et nous trouvons lui bien couvert et là, c'est les côtés là. Ben là, tu formes, je même comment ça. Tortue là sur la haut. C'est un terme qui appelle ça un testudo.
Alors, qu'ils arrivaient, je te regroupe, je te vis ensemble, ceux qui partent devant. Je te mets ce bouclier par devant, ceux qui sont à les côtés. Je te tourne, je te mets ce bouclier, c'est les côtés, à gauche. Pareil, pas les guerres. Et ceux qui au milieu, je te mets ce bouclier là-haut. Et quand il y a ça, comme ça, là, il comment dire, un carré. Il paraît comment ça, les deux, ça tourne là. Et là, il comme ça. Mon père a une photo pour montrer aux autres, mais je n'arrive pas à comprendre. Et les tiennent studio, c'est ce qui le terme lui dit. Alors, je t'y coste ensemble, c'est qui t'y oublié, je t'y lève, je t'y bouclier là-haut. Alors, comme un flèche vini, tout protégé. Un peut protéger comme ça, l'autre comme ça, devant, derrière, et ben, au milieu, je te mets là-haut. Alors, l'ennemi pas gagne les autres à aucun moment. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a une grande leçon pour nous tirer dans sa tortise formation. Alléluia. Dans sa testudo, dans sa manière qui, bah, soldat romain, tu combattes quand l'adversaire et tu envoies une flèche depuis là-haut. J'ai dit, nous l'y a dit tout à l'heure là, Satan libérodé comme un lion rugissant qui s'en a libre dévoré. Parfois, une flèche, tu ne peux pas connaître qu'on vini, vigne de tout part. Mais mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul ici, il peut faire nous comprendre, la Bible fait nous comprendre qu'il y a un besoin que le Seigneur aide nous pour comprendre ça. Que le Seigneur aide moi pour me comprendre ça. Et si la Bible fait nous comprendre qu'il y a un besoin pour le corps du Christ, pour nous joindre ensemble. Alléluia. Ah, amen. C'est ça qu'il appelle la foi corporelle. Alléluia. Et il y a un besoin pour le corps du Christ, pour nous vivre ensemble. Pareil, comment ça va un soldat romain la vie ensemble. Je coste, je forme sa testue là. Et quand l'ennemi commence à faire une flèche de tout part, même là-haut, même si elle est côté, je ne pas être atteint, mon frère, ma soeur. Et il y a un besoin pour le corps du Christ. Nous vivons ensemble. Alléluia. Et il y a un besoin pour nous capables de mettre nous la foi ensemble. On dit que nous guettons la terre. Ce n'est pas un problème qui me touche le peut faire face. Ce n'est pas un problème qui mon voisin peut faire face. Ce n'est pas un problème qui l'autre frère là, tout seul peut faire face. C'est un problème qui nous tout peut faire face. Nous capables de dire, chacun est dans son combat dans la vie, c'est vrai. Mais on dit, c'est un combat qui nous tout peut faire face pareil. Et ce qui nous besoin ensemble, c'est joignez-nous ensemble. Alléluia. Mettre les guerres ensemble. Alléluia. Et dans la foi corporelle, pareil, comment ça, quatre hommes qui t'y sortent sa paralytique là. Je connais l'histoire. Amen. Tous les quatre, tu mets les guerres ensemble. Tous les quatre, tu pérodes la délivrance, la guérison de cet homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous les quatre finissent dire, non, ça bougla, mais c'est un marché, on dit. Et là, ben, dit, non, mais comment vous faire? Tous les quatre, ils mettent les guerres ensemble. Il arrive un moment aujourd'hui, tes studios. Alléluia. Ça. Et façon qui, ben, soldat romain, tu amènes les autres ensemble pour protéger les autres contre l'ennemi, pour protéger les autres. Et quand je fais ça, tout protéger, mon frère protéger, mon sœur lui protéger, mon frère, ma sœur, il arrive un moment pour nous capables, trappe et sa paralytique là et amène-lui vers Jésus. Alléluia. Enfin, nous dire, Seigneur, comment cela dit pour faire? Seigneur, comment cela dit pour faire? Et mon frère, ma sœur, il arrive un moment pour le corps du Christ et mis ensemble. Bon, la prière aujourd'hui qui ça combat, qui la terre péconnée, les points moyens pour que le corps du Christ jeûne ensemble. Les points moyens pour qu'il nous lève, nous la voit comme une seule église, comme une seule peuple, comme une seule famille, et nous dire qu'il est un seul bon Dieu et qui vivant. Saint-Esprit aide-nous, alléluia. Et nous connaît, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, c'est par le Saint-Esprit. Et il a un besoin. Aujourd'hui, coste avec ton frère. C'est pour cela, priez pour ton prochain. Priez pour les uns les autres. Pas prier juste pour toi. Pas combattre juste pour toi. Pas comme juste ton carré, ta famille. Non. Ils ont dit l'ennemi, il peut attaquer. Par tous côtés. Difficile aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais mon Philippe, encourage-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-nous join. Laisse-nous joindre l'équerre. Laisse-nous dire non, le bon combat. Priez pour un frère, priez pour une sœur, priez pour un bien-aimé. Et laisse le Saint-Esprit éclater sur la gloire. Vous lire avec Zot, sa verset qu'il a pour Paul, les partager. Et dans le même livre Éphésiens, chapitre 4, quand il parle, l'oban et ministère qui Dieu nous donnait, le verset 16.
Là, quand il cause, nous, le prophète, nous, l'évangéliste, nous, et pasteur, docteur, les apôtres, tout ça. L'apôtre Paul, dans le verset 16, dit dire, chapitre 4, le verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Wow! Testudo. Je te rappelle, mon esprit, testudo. Formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Bon Dieu, montrez-nous quand nous pouvons vivre ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Quand nous pouvons coordonner ensemble, quand nous pouvons lier nous-mêmes ensemble, nous pouvons former un solide assemblage. Satan pas vous capable de toucher nous. Satan pas vous capable de mettre la main dans nos frères. Aujourd'hui, pas vous faire comme à Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, mon frère, ma sœur. Nous l'appelons pour veiller nous les uns les autres dans la charité. Que le Saint-Esprit aide moi. Que le Saint-Esprit aide nous ce matin par grâce pour qu'il nous capable de former sa solide assemblage. Alors aujourd'hui, et trois petites choses qui me font parler avec vous autres. Lors le bouclier de la foi, une prendre des pieds de côté, une vignée, et me prier que je ne recevrai la parole. Le besoin frotte sa déluile-là. Le besoin de Saint-Esprit. Le besoin deep sa bouclier-là, plonge-lui dans des l'eau. Le besoin tous les jours, bon Dieu, sa parole dans nous les guerres. Et le besoin capable. Shield, le besoin capable. Et costé, joigne-nous avec nos frères et nos sœurs. Nous formons sa solide assemblage. Nous formons sa testudo. Alléluia. Sa tortoise formation. Sa formation qui est, il paraît même tortue. Et pour qu'il nous capable, trouve le pays sauvé. Amen. Et une santé qui longtemps nous fait santé, bien longtemps. Et vous rappelez, nous sentons ça. Si nous les gagnons, nos pays pour bon Dieu, mettez-nous les cœurs ensemble. Mettez-nous la vie ensemble. Un merveilleux cantique qui me rappelle notre centaine fois. Alléluia. Amen. Nous capables de s'emplir de tous nos équerres. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, pour terminer, et Éphésiens de nous, revêtiez-nous de toutes les armes de Dieu pour être capable de résister le mauvais jour. Alors ce matin, prends le bouclier de la foi pour être capable d'éteindre, pas seulement un très enflammé, mais de dire tous les très enflammés du malin. Vous confessez, vous déclarez dans le nom de Jésus qui s'abandonne très enflammé là. Je ne peux pas atteindre ton territoire. Je ne peux pas atteindre toute la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, le bouclier de la foi. Et tout ce qui vient dans le nom de Jésus, nous pouvons atteindre. Merci Seigneur.